פסוק חבית, הנה. Il y a ici un très grand secret qui est écrit. Qu'est-ce qu'il écrit? On a tout un discours entre Akadosh Baruch Hu et Avraham Avinu. Un discours. Et je te promets, Vekimot et Briti, Beni ou Bencha, Ben Zaracha, Acharecha et Dorotam, Brit Olam, Liotlecha et Elokim. Je te promets que je serai le Dieu, ton Dieu et le Dieu de toutes tes descendances. Akadosh Baruch Hu promet à Avraham Avinu. Et il y a tout un discours entre eux. Qui est long, alors on va pas rentrer dedans. Mais à la fin du discours, il y a une phrase, un pasouk, qui est très banal, chas v'shalom, de dire ça dans la Torah, mais on n'a jamais donné d'importance. Et tout d'un coup, avec les événements de la période qu'on est, le pasouk devient très important. Pourquoi? Il est écrit... Vaïchal et Daberito. Akadosh Baruch Hu a fini de parler avec Avraham Avinu. La discussion est finie. Vaya'al Elohim. Avraham Avinu n'a pas encore la brite. Mila. Et il est écrit Vaya'al Elohim. Mazé Vaya'al Elohim. Dieu s'élève de Avraham Avinu. Et qu'est-ce qu'il fait? Me'al Avraham. ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת ילדי ביתו ואת כל מתנת כספו כל הזכר et אברהם s'en va. Il n'a pas encore Yitzhak. Yitzhak n'est pas encore né. Avraham n'a pas encore la brit kodesh. Ça veut dire que maintenant Avraham est pur ou impur? Alors comment Akadosh Baruch Hu parle avec lui? Question, Nachon? La preuve qu'Akadosh Baruch Hu parle avec lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Dit Rashi, mais à l'Abraham, il s'est élevé d'Abraham, la Shonikia ou clapé à Shrina. On veut dire d'une façon propre pour la Shrina, qui est fait quoi? Velamdan, Oshat Sadikim, Merkavto, Shel Makor. Et de ce pasouk-là, on va étudier que les Tzadikim sont la Merkava, sont le chariot de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est comme un cocher sur un cheval, un cavalier. Le tzaddik est quoi? Et rien qu'un cheval. Avraham Avinu était quoi? Toujours il a dit, Anochi, ma, qu'est-ce que je suis? Rien du tout. Anochi, tolad veloish. On n'est rien du tout. Qu'est-ce que... Anochi, afar va'efer. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis de la cendre. Je suis rien du tout. Pourquoi il a dit ça? On va voir maintenant ce pasouk-là et on va ouvrir un autre livre que malheureusement s'étudie pas encore assez, mais ça va venir aussi. Shar HaKlalim Etzraim chez l'Ari HaKadosh. Le Ari HaKadosh commence le Etzraim. Que le Etzraim, en effet, tout le livre, c'est des résumés des écrits du Rabbi Chaim Vital qui ont été mis ensemble dans un livre qui s'appelle Etzraim. Ce livre-là est un livre de Kabbalah qui explique ce qui se passe dans les cieux, les 10 attributs, les 3 célestes. Et il dit ici, au début, Shar HaKlalim, il dit, Kshala birtsono yitbarach shemo livro et haolam. Quand Akadosh Baruch Hu a eu la volonté de créer le monde, pourquoi? Kedel etiv lebroav. Pour être bien avec nous. Letiv. Dieu veut une chose. Nous faire du bien du matin jusqu'au soir. On est tzadikim, on n'est pas tzadikim. Lui, il ne change pas sa volonté. Tout le temps, il veut nous faire du bien. Ah, comment la rigueur vient? Je vous expliquais tout à l'heure. C'est pour ça que l'enfant a parlé ce qu'il a parlé. Je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que c'est des bêtises. Parce qu'il a vécu quelque chose, d'accord? Mais il faut comprendre. Est-ce que ce paramètre qu'il a vécu appartient à nous tous? Ou bien ça appartient à lui seulement. Une histoire. Moi, par exemple, je peux dire, quand j'avais 7 ans, je me suis étouffé. J'avais pas de... On m'a emmené à l'hôpital. À l'hôpital, on s'est occupé de moi. Ah, alors maintenant, tous les enfants qui ont 7 ans vont tous aller à l'hôpital parce qu'ils vont s'étouffer. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui est pratique? Qu'est-ce qui est à l'individu? Et qu'est-ce qui est clali? Qu'est-ce qui est pour nous tous?
Ce qui est pour nous tous, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Alors il est écrit. Qu'est-ce que c'est le mérite? De quoi? De ressentir l'amour de Dieu, de sa volonté céleste, infinie, de nous faire du bien, puisque c'est la volonté. Vizkuliot merkava lemala. Lidabeg bo idbara. Pourquoi il a fait tout ça? Pour que ceux qui veulent ressentir les attributs de miséricorde seront les cheveux que la Shrina peut s'asseoir dessus pour faire quoi? Pour les guider dans le chemin de la miséricorde. Il faut comprendre que c'est ça le monde. On vit dans un monde pendant toutes les générations et surtout les 2000 ans de Mashiach. C'est pas 2000 ans qu'on attend le Mashiach. C'est 2000 ans qu'on vit à chaque instant Mashiach. Il y avait Mashiach il y a 2000 ans, il y a 1900, il y avait 1800, 1700. Tout le temps Mashiach est là avec nous. C'est quoi le Mashiach? Le Mashiach, dit le Zohar Kadosh, Parashat Vaera, c'est la conscience de quoi? Du bien céleste. Quand quelqu'un il a un grand problème dans sa vie, il n'arrive pas à le résoudre. Ça s'appelle en hébreu safek. C'est quoi safek? J'ai un doute. Et il n'arrive pas à résoudre le doute. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Et il vient chez un stage, chez un avocat, chez un docteur, le rachou. Et il dit, tu sais ton doute? Il écrit. Pourquoi tu as tellement de peine? Prends ce petit cachet-là tous les soirs. C'est fini, il n'y a plus de doute. Ah bon, comme ça? Bon, il prend le recept, il achète, et tous les soirs, il prend un petit cachet. Sa vie change. Sa vie change. Il dit, j'aurais jamais cru ou imaginé que je peux vivre comme je vis maintenant. Vous connaissez des gens comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans la tête. C'est quoi la tête? La tête, c'est le cheveu des ondes qui nous entourent. Les ondes nous entourent comme le chapeau. Ils sont rondes et ils s'appliquent sur notre cerveau. Et ils ont la permission de parler avec notre cerveau. Ce sont des lumières qui se transforment en messages. C'est vrai, on peut aujourd'hui mesurer ça. Ça s'appelle en hébreu neurofeedback. On reçoit le feedback du système nerveux. On met un casque sur la tête d'une personne. On lui montre des couleurs. On lui fait entendre des sons. Et d'après sa réaction des neurones, on peut voir qu'est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est hyperactif? Est-ce qu'il a besoin d'aide comme ça? Quelle sorte de cachet on va lui donner? Et on voit que le casque mesure quoi? Il mesure les ondes électromagnétiques qui passent dans la tête et qui sortent de la tête. Puisqu'il mesure ça, ça atteint les petits récepteurs qu'il y a sur le casque. Chacun de nous vit une vie. Vous allez être un peu étonné, mais je vais vous dire une vérité. On imagine tous. Rien n'est réel. Pourquoi rien n'est réel? Parce que moi, maintenant, je vous vois comme je vous vois d'ici. Et vous, vous me voyez de là-bas, ici. Les autres vont nous voir à la maison, dans une caméra. Le Rav me voit d'un autre côté. Qui est la vérité? Qui voit la vérité? La dame qui est là-bas, la dame qui est ici, ma mère, qui voit la vérité? Chacun sa vérité. Ça, c'est le secret de la Géoula. C'est le secret de la Géoula. Chacun sa vérité. Quand tu veux faire vivre quelqu'un une Géoula, c'est seulement dans sa maison, dans sa vie, avec sa famille, avec... On ne peut pas lui dire, tu sais quoi? Tu veux vivre une Géoula? Va à, je sais pas quoi, Nagid, à Hebron, dans une famille et fais avec le Shabbat. Qu'est-ce que Hebron, Shabbat, où on est? C'est pas ma Géoula. Mais il y a des gens qui habitent à Kiryat Arba, non? Ils ont leur Shabbat. Leur Shabbat est comme le nôtre. Eux, ils vont avec des fusils. Oui, ils vont à la synagogue, ils ont pas le choix. Est-ce qu'ils vivent comme nous? Est-ce qu'ils marchent dans leur rue comme nous? Ils ont 7 yeux, 7 œils. Ils regardent partout. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas d'où ça va venir. Alors, eux, ils ont un Shabbat.
qui peut être très fort, très puissant, très amoureux. Mais Hebron, nous on a Shabbat, Natania. On revient la nuit de la synagogue et on voit les, ceux qui boivent, écrit dans la rue. Est-ce qu'on a le même Shabbat que moi j'ai à Bnei Brak? Non. Est-ce que moi j'ai le Shabbat qu'ils ont à Mea Shearim? Non. Ça veut dire que chacun de nous a sa réalité qui est les réseaux électromagnétiques qui peut capter d'après quoi? D'après la création qui a été créée par Dieu. On ne s'est pas créé nous-mêmes. Dieu nous a créés. Alors pourquoi on dit que les gens sont malades? Puisqu'ils voient leur vérité. Pourquoi tu dis, ah celui-là le pauvre il est malade, on va lui donner cachet comme ça, il dort toute la journée. Non, il n'est pas malade. Il dit sa vérité. Quelle est la force d'un sage, vous savez, d'après la Torah? Le sage, comment? Le sage doit aimer chaque être, comment? En comprenant que l'être a été créé, choisi, aimé par Dieu comme ça. On n'a pas le droit de changer l'être. On n'a pas le droit de changer l'être. L'être comme il est, c'est le meilleur possible dans le monde. Donc, si on va rentrer dans la Géoula, et Bo Hachem, mon Rav Zatzal, il parlait beaucoup de la Géoula. Il est décédé 115 ans alors. Et il a vécu Bo Hachem. Toujours il me disait, écoute, il y a la Géoula Pratit et il y a la Géoula Klalit. Il y a la Géoula de l'être, de l'individu, et il y a la Géoula du global, que la Kadosh Baruch Hu, tout lui appartient de toute manière. Moi je dis aux gens, de quoi t'as peur? Tu es quoi? Tu es une partie de la lumière. Maintenant elle est dans cette enveloppe, demain elle est dans une autre. Pourquoi s'attacher à l'enveloppe? Quand on s'attache à l'enveloppe, maintenant on peut nous faire peur. Pourquoi? On va te déchirer le chèque. Vous savez c'est quoi? Une personne qui travaille, vous savez quel nissayon, j'ai un élève à moi maintenant, il a 60 ans. Il travaille encore avec ses mains. Je lui dis, ça suffit. Tu as de l'argent pour toi, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants. Maspi, combien travailler? Je peux pas, je dois gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu dois gagner? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? L'école d'un enfant de 20 ans. Il a été travailler sur un chantier. Il a fait son travail. Le kablan lui a pris le chèque. Il a dit, tu sais toi, je paye pas. Vous savez quelle insulte? Et il avait quoi? La colère, parce que lui vient d'une shruna que Dieu nous en préserve. Je lui dis, tu sais, ce chantier-là, tu vas perdre de l'argent. Avant qu'il a commencé, je lui dis, pas seulement tu vas perdre de l'argent, il va t'humilier. Dis-moi, baba. Je lui dis, il va t'humilier, tu vas être comme un enfant de 18 ans. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce qu'Akadosh Baruch Hu veut plus de ça, ça suffit. D'ailleurs, va au Beit Midrash un peu. Étudie un peu la Torah. Qu'est-ce que tu travailles toute la journée? Pour qui, l'Elias? Pour qui? Il me dit, tu sais quoi? Tu as raison. Maintenant, il est venu, le pauvre. Oh, fais-moi une bracha. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a déchiré le chèque. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, je suis sorti dehors dans la mer Pesset. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, Bevakasha, je ne veux pas m'énerver. Bevakasha, je ne veux pas m'énerver. Bevakasha, je ne veux pas m'énerver. Je ne veux pas m'énerver. Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas m'énerver. Ne me prends pas ça. Ne prends pas le silence que j'ai. J'ai dit, pourquoi tu pleures pas? Akadosh Baruch Hu, donne-moi! C'est un chèque de, je crois, 130 000 shekels. C'est beaucoup, 130 000 shekels. Akadosh Baruch Hu, donne-moi 130 000 shekels, donne-moi! Il a compris, j'ai des femmes, toi le dis. T'as compris? Pourquoi? Parce que tu as compris que 130 000 shekels peut effacer une mida de toi, de quoi? De ne pas s'énerver. Et vous savez, le Nisayon n'est pas facile. Dans le film Ushpizin, vous l'avez vu? Il y a un extrait, regardez ce film parce qu'il est très vrai. Il y a un extrait qu'il n'a pas d'argent pour faire Sukkot. Et sa femme l'envoie acheter. Et il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il peut faire? Et il s'assoit sur des pierres comme ça à Jérusalem. Et il dit, Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas m'énerver. Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas m'énerver. Je veux pas m'énerver. Et il crie et il court dans la forêt. Il se met par terre. Il dit, je veux pas m'énerver. Bevakasha. Et on montre
comment pendant ce moment-là, il y a un gvir, vous savez, à Jérusalem, ils reçoivent beaucoup de dons et ils donnent aux... Et comment quelqu'un reçoit un don et il marque un nom et lui dit, est-ce que celui-là a reçu? Le chaliach lui dit, celui-là, il n'est plus à Jérusalem. Et il passe un nom, c'est qui? C'est l'autre. Je ne me rappelle pas combien, 5000 dollars pour les fêtes. Et tout d'un coup, quelqu'un tape à la porte dans sa maison, voit sa femme, il lui dit, voilà, vous avez 5000 dollars. Alors dans le film, ils l'ont fait tellement bien qu'on voit que quand personne se garde son monde, son petit monde, ah, quand je veux pas m'énerver, je veux pas m'énerver. Une mida. Akadosh Baruch Hu mida keneged mida. Akadosh Baruch Hu c'est mida keneged mida. Si tu es dans la rigueur. Mida keneged mida. Ba mida shadam moded, modedim lo. Le monde céleste est comment? Même le monde terrestre est comment? Si je viens en colère au travail, comment les gens vont me faire un miroir de quoi? De colère ou de sympathie? Colère! Tu es en colère, hein? Ne crie pas, va crier chez toi, non? Mais si je viens souriant, maquillé, parfumé, heureux, même si ça ne marche pas tellement au travail, ça va marcher. Pourquoi? Parce que j'emmène une énergie qui est quoi? Mon monde. Kol ha'olam nivra bishvili. She'adam nikra olam katan. Tu es un monde, c'est une Mishnah, Masechet Sanhedrin. Chaque être humain vis-à-vis de Dieu, disent les sages du Talmud, c'est pas nous, de la Mishnah. Les Emechayim Etim disent, chacun, Dieu a créé le monde pour lui. Pourquoi il a créé le monde? Pour moi? Il y a plein de gens autour de moi. Non. Tu es le seul qui a des yeux comme tu as. Tu es le seul qui a le nez comme tu as. Tu es le seul qui a la bouche comme tu as. Tu es le seul qui a les oreilles. Vous savez, il y a les oreilles. C'est un. One piece. Il n'y a pas deux oreilles les mêmes. Ça n'existe pas. Tu es le seul qui a les traits des doigts. Unique. Le fond de l'œil. Unique. Alors les sages disent, si je suis tellement unique, ça veut dire que je vis mon petit monde. Qui vous a dit que maintenant, quand on est avec les yeux ouverts, on voit vraiment une réalité? Peut-être quand on va fermer les yeux, on va voir une réalité. Et ça, c'est très dangereux. Il y a une secte en Amérique, que Dieu nous en préserve. Il y avait un philosophe qui rentrait dans cette question qui est très dangereuse. Et il a commencé à se poser la question. Quand est-ce que je vis vraiment ce que je vis? Est-ce que c'est quand je suis endormi? Ou c'est quand je suis éveillé? Parce que quand on est endormi, on vit une certaine vie. On ressent, on est dans un rêve. Les gens se réveillent du matin des fois. Le rêve, ils changent leur vie. Une fois, j'étais à Eilat. Une petite histoire pour aérer un peu le... C'est un sujet lourd. J'étais à Eilat. Et un chauffeur de taxi, il rêve la nuit. Son grand-père lui dit... Où tu fais tchouva, ou je te tue. Se réveille à 5h du matin, il transpire, il va chez un rabbin, il dit, écoute, j'ai rêvé ça et ça. Le rabbin lui dit, chalom tov, chalom shalom, une pièce de tzaka. Après deux nuits, il vient le grand-père, il est tranquille. Donc, il dit, où tu fais tchouva, ou je te tue. Il a dit, c'est... Il était comme ça, costaud. Il a dit, comment mon grand-père, dans le rêve, il m'étrangle. Je m'étouffe physiquement. Et je me réveille sans air. Quand est-ce qu'il m'a étranglé? Dans ma vie celle-là, ou dans ma vie de le rêve? Quand est-ce que j'ai été étranglé? On vit plein de vie. On vit, écoutez-moi ce que je vous dis, on vit plein de vie, même maintenant quand on est là. On est là, on est chez nos enfants, on est chez nos petits-enfants si on en a, on est en France si on a quelque chose là-bas, on est à Marseille si on a quelque chose à Marseille, on est en Guadeloupe si on a quelque chose. On vit plein de vie. Dit le Ari HaKadosh qu'une Neshama peut être en un instant dans Shara et Gilgulim,
dans des milliers de personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon âme, qui est mon identité spirituelle, maintenant peut-être fait un tikkun en Amérique dans un corps d'une femme, fait un tikkun en France dans un corps d'un homme, fait un tikkun en Israël dans un corps d'un enfant, et fait un tikkun dans mon corps. C'est possible ça, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre la science de l'âme. On ne va pas vendre aux gens, ça suffit cette histoire de faire peur, ah, Hauda, qu'est-ce qui est fini de cette peur-là? La crainte de quoi? De quoi la crainte? Si c'est tellement effrayant, pourquoi les gens ne reviennent pas de là-bas? Et ceux qui ont fait la mort clinique, moi, un, deux, il y a de la lumière, on t'aime beaucoup, personne ne te crie dessus, tout va bien. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'avais, je crois, 25 ans, un jour, j'ai fait un petit tour en haut. Qui m'a appelé? Mon père. Zichron Levracha. Et comme il est parti quand j'étais jeune et je lui ai souhaité beaucoup de bonnes choses, le pauvre, il paraît qu'à la fin, il est parti à cause de mes souhaits. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il m'appelle. Maintenant, c'est un peu gênant, non? Tu es au Bedin en haut. Ton père, que tu lui as souhaité des belles choses, malheureusement, les belles choses se sont réalisées. Et maintenant, il me dit, écoute mon fils, il y a une pierre, et sur cette pierre, il y a gravé les mots que tu as dit. Et c'est pas bien pour toi. Il y avait des anges, il y avait une musique que j'ai, après, j'ai, comment dire, composée. Et on a refait cette musique. Et ils viennent. C'est mal à l'aise, non? Tu montes en haut, tu as 25 ans. Enfin, tu vois ton père. Et qu'est-ce qu'il te dit? Regarde la pierre. Et sur la pierre, tout est gravé. Maintenant, les mots qui sont gravés, c'est pas un mensonge, on est en haut. Qu'est-ce qu'on fait? C'est, comment on dit? Pas ça, les enfants. Maintenant, je vais vous raconter que quand ils sont venus me dire eh, « c'est pas bien ce que tu as fait et tout », moi, j'ai rien dit. Mon grand-père, le Cohen, le frère de M. Cohen, il vient. Chaque fois que j'ai des histoires en haut, mon grand-père, il vient. Je sais pas quelle route ils ont cela, mais les Kohanim de Djerba, c'est en haut, sacré. Il vient, il dit « qu'est-ce que vous faites à mon fils ?» C'est mon fils, c'est pas son fils. Il dit « bon, qu'est-ce qu'on fait pour effacer cette pierre ?» Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges, vous savez? Descends en bas, raconte l'histoire que tu es en haut, fais vidouille, demande pardon à ton papa, demande pardon aux gens que... Et j'avais quoi? J'avais 7 ans, 9 ans. Comment il y a un dîne sur un enfant de 9 ans? Quel dîne on a sur lui? Il n'a pas encore 13 ans, on ne peut pas encore lui faire le dîne. Et la preuve, qu'il y avait une pierre. Il m'a dit, mon fils, c'est pas bien cette pierre pour toi. Mon père me parle comme ça, et moi, je lui ai dit des choses qu'il ne faut pas dire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va raconter à tout le monde que malheureusement, tous les mots que vous avez dit qui ne sont pas bien sont gravés sur une pierre, et vous êtes tous dans un grand problème. C'est ça ce qu'il faut dire? C'est juste moi, une ionique. J'avais pas là-bas des milliers de gens avec moi, on n'était pas 10 000 à faire ça, Naran. Chacun son sort, chacun sa pensée. Et Akadosh Baruch Hu, pourquoi il est tout puissant, tout grand? Parce que lui, Bamida Shadam Moded Modedim Lo. Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Les attributs de rigueur, tu vas les avoir. Dans ce monde et dans le monde futur. Maintenant, tu vas revenir du monde futur. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Qu'on est tous dans la rigueur? Vous savez combien de tzaka il y a dans le peuple d'Israël? Aujourd'hui, je ne parle pas de... Combien de tzaka? Combien de cours de Torah? Dans chaque maison, dans chaque rue, il y a plein de bonnes choses. Alors, pourquoi faire peur aux gens? Et vous savez, quand on étudie la science de l'âme, quand quelqu'un il a peur de quelque chose, il appelle. Il demande que ça s'allume. Vous savez pourquoi? Pourquoi c'est cette réalité? Qu'est-ce qu'il y a derrière, vous savez? Comme la personne a peur, une des solutions de la crainte, c'est de voir la réalité de la crainte se passer. Pour arrêter ça. C'est comme les enfants qui ont fait quelque chose de mal, ils veulent être punis. Pourquoi? Ils savent qu'après la punition, c'est fini.
כשעלה ברצונו לברוא את העולם, בכדי להיטיב לבריאותיו, שהוא מרכבה אליו יתברך, c'est quoi? Comme Abraham Avinu n'était pas encore Nimol, et quand même il avait la présence divine sur lui, c'est, vous savez, c'est pas facile de dire j'ai la présence divine. Il a eu la présence divine qui a parlé avec lui tout du discours, d'accord? Comment il a encore le brit kodesh? Il n'a pas encore fait brit kodesh. Alors quoi? Akadosh Baruch Hu. Ça y est, on lui a fait peur parce qu'on n'a pas fait la brit kodesh. Ça va venir. Une fois, j'ai une histoire avec mon père, j'ai plein d'histoires avec lui dans le ciel comme ça. C'était après des années de l'autre histoire. Et il me dit, mon fils, tu veux me faire un tikkun? Oui, papa, qu'est-ce que tu as besoin? Il me dit, j'ai besoin que tu sois sandak. J'avais 32. Et je devais aller à Jérusalem. Et je vais là-bas avec ma voiture. Je te racontais. Et tout d'un coup, un religieux comme ça dans la route, il saute sur la voiture. J'aime pas, moi, quand on me force de faire des choses. Je dis, qu'est-ce que tu dis? Il ouvre la porte, il s'assoit. Il me dit, toi, tu vas me prendre là-bas. Je dis, je te connais de quelque part. Qu'est-ce que tu te... Et après, je me suis dit, c'est pas un hasard, ça. C'était le lendemain que j'ai réveillé le rêve. Je dis, où tu veux qu'on aille? Il m'a dit, eh ben moi, tu sais qu'est-ce que je fais? Je fais le Brit Mila des Russes qui n'ont pas réussi à faire en Russie. Alors, ils font la Brit Mila en Israël quand ils sont adultes. Il me dit, tu veux participer? Vous savez, nous, on est, comment on dit en japonais, barbour. Je lui ai dit, mais combien coûte la Saouda? 250 shekels. Tiens, 250 shekels. Où c'est? Prends-moi. Je vais là-bas. Il me dit, tu sais, comme tu as donné la Saouda, tu vas être sandak. À l'âge de 30 ans, vous êtes sandak. Tu as la barbe noire, qui va te donner sandak? Il me dit, tu veux être sandak? Je lui ai dit, ah, tu vas me faire mettre un targil du karaté, toi? Je lui ai dit, oui, je veux. Ben, rentre. Je rentre. On prend la tête, comme ça, et on fait la tefila du tzandak. Et on fait la brit. Bon, brit mila, baruch Hashem, mazal tov, brit mila. Il carré chemin b'Israël, son nom sera en Israël, et il demande au jeune, il avait 14 ans, dis ton nom. Avraham ben Yosef. Je suis resté comme ça, bête. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Pourquoi Avraham? Il me dit, je sais pas, tout d'un coup, j'ai eu comme ça dans la tête. Avraham, c'est quoi ce comme ça dans la tête? C'est ça que je veux aujourd'hui qu'on comprenne. C'est pas du hasard. On n'est pas un micré. Même ça, il y a de l'importance pour Dieu, ça. Et ça, non? C'est ça ce qui nous fait pleurer. Pourquoi les gens ne savent pas leur valeur, Ribbono Olam? On va leur raconter que quoi? Qu'ils sont méchants? Qu'ils vont aller au Guéhenom? Que... C'est la valeur, ça? Les gens se disent, tu sais quoi? Guéhenom, hein, on va faire le Guéhenom ici. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis aux gens, qu'est-ce que tu es? Tu mérites quoi? La vérité rave avec l'avérote que j'ai fait. Je mérite seulement le mal. Hier, j'avais quelqu'un qui est venu chez moi d'Amérique. Le pauvre, il n'a pas de mazal, il ne se marie pas. Il trouve. Il me dit, je suis fermé. J'ai essayé de l'ouvrir. Impossible. Je lui dis, dis-moi, pourquoi tu es tellement rude avec toi-même? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Il me dit, on est à San Francisco, tu sais, on vit une vie. Je lui dis, alors? Et alors? Je lui dis, tu sais que tu ne me permets même pas de te faire sortir du noir que tu es. Mais une personne qui se déteste tellement. Pourquoi? Parce qu'il a un jeans? Pourquoi? Parce qu'il a eu une histoire, une telle... Avraham Avinu! Avraham Avinu! Arel, il a la Orla, Nahash, il a le Nahash sur lui. La présence divine parle avec lui. Des promesses, des amours, Ve'avticha, et je t'aime, et tu m'aimes. Il est encore Arel, il est encore avec la... Il n'a pas... Vous savez c'est quoi ça? C'est dans la Torah, c'est très difficile. Ah, pourquoi il vit? Un jeune qui n'a pas fait la Brit, la France, en Amérique, en Australie, pourquoi il vit 10, 11, 12, 13, pourquoi il vit? Kadosh Baruch Hu, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Hein? C'est honteux. C'est honteux qu'on arrive à
d'évaluer les gens, à les emmener à une crainte, à une peur. Et nous, notre tafkid, c'est rendre à chaque être humain la valeur de l'être humain. Parce que la valeur de l'être humain, aux yeux de Dieu, est très grande et très puissante. C'est la dernière création qu'il a créée. On n'était pas longtemps par Shad Bereshit. La femme, dernière de l'homme, plus aimée que l'homme. C'est pour ça que le matin, qu'est-ce qu'elle dit ? Que tu m'as fait comme ta volonté. Selon ta volonté, tu m'as créé comme toi tu m'aimes. Alors je vais vous poser une question. Chaque femme qui est sur la terre, juive ou non juive, n'est pas une création magnifique d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que les femmes se font ? Les jeunes filles que Dieu nous empresse. Que Dieu nous empresse. Qu'est-ce que les jeunes filles font pour un peu de vodka comme ça ? Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu as perdu quoi ? La valeur et le sens de ton corps. Ton corps est quoi ? Ton corps est le lien entre l'être et Akadosh Baruch Hu. Les gens ne savent rien du tout. La femme est quoi ? Vous savez le tafkid de la femme ? Shrina. C'est quoi Shrina ? C'est elle, le réseau électromagnétique qui est sur l'homme. C'est elle. C'est elle qui fait la connexion entre Akadosh Baruch Hu et l'être humain. C'est la femme. Donne le kavod. C'est affreux de voir les femmes, comment elles se comportent. C'est pas que c'est affreux. Pourquoi tu te donnes pas du kavod, ma fille? Pourquoi? Pourquoi tu dois t'étaler devant tout le monde nu à la plage? Et tout le monde te... Pourquoi tu as besoin de ça? Pour être marron un peu. Mais la teinture, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aujourd'hui des lits de soleil. Ben, hein? Mais pourquoi elle fait ça? Devant ses enfants. Étalée nue. Nue devant ses enfants. Pourquoi dans la maison, elle sort pas de salle de bain comme ça, nue aussi, comme à la plage? Qu'est-ce qu'il y a? Non, à la maison, c'est pas la plage. Tu étais nue là-bas. Tu crois que ton fils, il peut te donner du kavod maintenant? Il a dit, c'est là. Elle se donne pas de kavod. Comment je vais lui donner du kavod? Ta belle-fille te voit nue. Qu'est-ce qu'elle va faire avec toi? Vous comprenez? Après, il y a des histoires. Et les gens se disent, pourquoi il y a des histoires? Parce que donnez-vous le respect que vous méritez. Ribon collant en la mine. J'ai un... Dimanche, ils sont venus, une famille me voit. Ah, Yofi. Shalom. Au téléphone, j'étais très gentil. Ah, c'est toi le Rav Schneider, oui. Ah, notre fils, bah, merci à Dieu. Comment tu le rends fort? Et des compliments. Vous connaissez celui-là? Moi, quand on me donne des compliments, je me dis, qu'est-ce qui m'arrête? Qu'est-ce qu'il y a derrière là? C'est quoi le... la fusée qu'ils vont m'envoyer dans la tête nucléaire? Il me dit, oh, est-ce qu'on peut venir te voir avec notre fils? Oui, venez, Faddal. Dimanche, il vient. Le père m'a crié dessus comme un poisson pourri. Et moi, je suis assis comme ça dans ma chaise, comme j'ai l'habitude. 15 minutes. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes une secte. J'ai dit, Aouda. Et on est une secte de quoi? D'amour. Pourquoi tu parles d'amour? Où est la rigueur? Tu n'as pas honte de parler de l'amour. Et qu'est-ce que ça... Et en plein, qui crie, qu'est-ce qu'il me dit? Va aftet Hashem Elokecha. Va aftet al rakamora. Vous rigolez? Moi aussi, je rigolais. Je lui ai dit, ça y est mon fils, tu as enlevé toute la chaleur que tu avais dedans. Ça va, tu t'es calmé un peu. J'ai dit, on peut parler maintenant comme des êtres humains. J'ai dit, regarde, ton fils, il est là à côté de toi. Toi, tu es habillé comme un rave. Moi, vous savez, chez moi à la maison, je suis... Ça, c'est n'importe quoi. Je m'en savais. Et son fils le regarde, son père. Je lui dis, regarde ton fils, comment il te regarde. C'est ça un comportement. C'est ça ce que tu lui enseignes. Après, tu te poses la question, pourquoi ton fils, il aime le rave et il n'entend pas son père. Je lui dis, regarde. C'est pas moi qui a mis le jeans à ton fils. C'est lui qui a le jeans. Vous savez, chez les religieux, très religieux, si l'enfant enlève les habits, le costume, il est sorti de l'armée. Allez. Et ils jettent leurs enfants dans la rue. Moi, je les ramasse. La poubelle. Je lui ai dit, tu sais, dans l'arche de Noé, il y avait 3 étages, non? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tu sais, le dernier étage en bas, c'était quoi? Les déchets, non? La poubelle. Je lui dis, moi, je suis le rave de la poubelle, là-bas, en bas.
Il dit pourquoi? Je dis parce que vous en jetez tellement. Alors les diamants, ils sont en bas. Où se font les diamants dans la terre, vous savez? Très profond, il y a de la pression, de beaucoup de force sur le carbone pour qu'il devienne un diamant. D'accord? Je dis, nous, on est en bas. J'ai ouvert le livre de Baal Shem Tov. Bientôt, on va faire et on va traduire Bezrat Hashem. Dans le Baal Shem Tov, il y a un extrait par Chat Noir. Pas beaucoup de feuilles. Et comment le Baal Shem Tov parle de l'être humain? Comment il explique la prière? Le Baal Shem Tov dit que quand tu as une mauvaise pensée, c'est pas à toi. Arrête de t'angoisser. Arrête de développer les mauvaises pensées. C'est quoi une mauvaise pensée? C'est Akadosh Baruch Hu veut faire un tikkun à quelque chose. Il fait passer par l'être le plus élevé, par toi, hop, envoie-toi en haut. Tout appartient à Dieu. Ta pensée appartient à Dieu. C'est lui qui te l'a fait rentrer dedans. Pourquoi? Écoutez les paroles de Baal Shem Tov. Pourquoi il fait ça, vous savez? Parce que dans cette mauvaise pensée, il y a un diamant derrière. Derrière, il y a un diamant. Derrière, il y a un otage lumière. D'accord? Alors, Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire entrer la mauvaise pensée dans l'être humain. Il va faire tchouva, parce qu'il ne veut pas ça. La tchouva va faire quoi? Va faire monter le diamant dans la couronne céleste. J'ai dit à ce père, je lui ai dit, tu sais, c'est bien que tu as crié, je suis content. Mais lis, Baal Shem Tov, c'est pas moi qui l'ai écrit. Baal Shem Tov dit qu'il n'y a pas de Rishayim. C'est pas moi qui ai écrit ça, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Je lui ai dit, le Zohar Kadosh dit que ça n'existe pas un rachat. Vous savez ça? Zohar Kadosh, le rachat n'existe pas. Moi, ça fait 30 ans que je le cherche. Ben, je rigole pas. Je cherche deux choses. Si vous pouvez trouver pour moi, ça va me faire du bien. Une femme méchante, Ishara, j'ai pas encore vu, je cherche. Et un rachat. J'ai hâte de voir un rachat. Comment? Ça n'existe pas, Rabbanit. Pourquoi c'est écrit dans les Rabbanit, quand on sera au degré de David Ameller, on va comprendre ce qu'il a écrit. Mais nous, on est dans le degré de la poubelle. Moi, je suis degré poubelle. Si vous voulez que je vous dise dans la poubelle, je peux vous dire. Oui, Rabbanit. Il est où l'extrait? Dites-moi, j'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a le mot Gehenom, marron. Mais c'est quoi? Comme les gens, on leur fait peur d'un mot, et ils transforment ce mot en diable. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Lisez dedans. Il faut étudier la Torah, vous savez. Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est quoi Gehenom? C'était un endroit. Gay, c'est un passage. Enam, c'est un nom d'un endroit. Première. Deuxième. Oui. Deuxième. Loam. Enam. La deuxième chose, c'est quoi? Vous savez, Gaynam? C'est la honte de l'âme vis-à-vis de Dieu. Et la preuve de ce que je vous dis est que dans les livres que vous entendez du Gehenom, il est écrit que quand quelqu'un, on lui a fait honte devant des gens, imaginez-vous quelqu'un rentre maintenant, m'insulte, et disons que je vais prendre à cœur, j'en ai plus, mais le petit morceau qui reste, alors maintenant je vais avoir honte de vous toute la France, je vais avoir honte. Ça c'est Gehenom. Pourquoi? Ça fait passer la personne par un endroit. C'est pour ça que David Ameler Omer Gam Kieler Begay Tsalmavet Gehenom. Lo erara. Je verrai pas le mal. Pourquoi? Kiata m'a dit, Dieu, tu es avec moi. J'ai peur de rien. Pourquoi? Parce que j'ai la conscience que toi tu es avec moi et tu m'aimes dans toutes les façons. Gam Begay Tsalmavet. C'est quoi de Gay Tsalmavet Gehenom? La honte de l'être. Et quand est-ce que l'être a honte? Quand on lui fait comprendre qu'il est méchant. Le Hari HaKadosh, écoutez-moi bien, est enregistré. Shar HaGilgulim dit que si un être vient dans ce monde d'obscurité
et fait une mitzvah, une. Cet être-là est accueilli chez Akadosh Baruch Hu après 120 ans comme un grand tzaddik. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a créé l'obscurité, c'est Dieu. Et celui qui nous a fait rentrer dans cette obscurité, c'est Dieu. Et c'est lui qui nous habille et qui nous donne les chaussures et qui nous donne la force dans les muscles de marcher. C'est Akadosh Baruch Hu. Et de toute manière, Akol Shelach. Sheli, Vejelcha, Sheloem. Mais, il y a des gens qui se séparent d'Akadosh Baruch Hu. Ata, Ani. Tu t'es séparé, tu t'es déchiré. Les gens se posent la question, pourquoi l'Holocauste s'est arrêté dans les pays du nord de l'Afrique? Ça s'est arrêté. Vous savez que le roi, quand il est venu Hitler, passer au Maroc, il lui a dit, tu ne touches pas les juifs. Chez moi, tu ne touches aucun juif. Il n'y a pas eu l'Holocauste. À Tunis, il y a eu l'Holocauste. Il y a eu les crématoires. On ne sait rien. On nous a écrit l'histoire comme on a voulu. Mais maintenant, tout s'ouvre, les archives. Il y a eu à Tunis l'Holocauste. Mon grand-père m'a raconté qu'ils ont fait rentrer dans un lac et ils ont tiré sur eux. Et il y a des cousins à lui qui étaient morts. Et toujours, il disait les pieds. Tu te rappelles, maman, il avait le jaune là dans les pieds. Qu'est-ce qu'il disait? C'est les nazis qui m'ont fait ça. Oui. Non, dans l'histoire, il n'y a pas. L'argent, la plupart de l'argent, on va le prendre, premièrement, pour l'Europe. Et après, les miettes, la faim, on va donner peut-être à ceux qui n'existent plus. C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Je sais, maman, je sais. Vous comprenez? Ça, c'est quoi? Ça, c'est Gehenom. C'est quoi le Gehenom? Il y a écrit Parashat Miketz Bazoar Kadosh, qui explique la fin de Parashat Miketz, qui explique le rêve de Pharaon. Je vous ai dit déjà beaucoup de fois. Dit le Zohar Kadosh, c'est Pharaon qui n'a pas réussi à avoir l'abondance. Mais qui a réussi? Yosef HaTzadik. Comment il a réussi? Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Elohim. Comme Abraham. Elohim Yanet Paro. Ce que je vais recevoir de Dieu va te donner la réponse. Pas moi, Yosef. Akadosh Baruch Hu va parler. Vous vous imaginez un peu? Paro, on dit que c'est le Sitracha, c'est le mal même, d'accord? Comment Elohim parle avec Pharaon pour que Pharaon devienne le Pharaon de Yosef, l'homme le plus riche et le plus puissant du monde? Maintenant, celui-là doit être le maître du monde. Eh bien, il devient le maître du monde. Pourquoi? C'est ça l'histoire. Comment, pourquoi? Vous savez, chez moi, il y a les jeunes de l'Ishivot. Il y en a un qui m'a dit, dis-moi, pourquoi que je pourrais faire ça comme ça, comme ça? J'ai dit, viens à côté de moi, viens. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, regarde ton corps. Tu vois les ongles? Il dit, oui. Je lui ai dit, ils poussent? Il dit, oui. J'ai dit, tu les coupes et ça repousse? Il dit, oui. J'ai dit, dis-leur d'arrêter de pousser. Je me dis, comment je vais faire? Je lui dis, ton ongle, tu comprends pas. Dieu, tu veux comprendre. On n'a pas honte. On va faire avec lui des débats. Alda, qui a raison? Et dans le Etraïm, le début de l'Etraïm, il commence comme ça. Un débat entre les sages. Est-ce que la création, est-ce que nous, on est les créations, donc on a le droit de faire le débat avec le Créateur? Et ou bien, la deuxième façon, que c'est la façon qu'on a étudiée, on n'est rien du tout. Toda Rabba qu'on respire, Toda Rabba qu'on vit. Est-ce que nous, on va parler et on va dire au Créateur, on va lui expliquer, on va avoir des débats avec lui? Tu t'imagines un peu? Le Rambam Kadosh dit, c'est d'après Yeheskel. Le Rambam Kadosh dit, Da'ato ena da'atenu. Dieu ne pense pas comme nous. Khalas. Alors comment il pense? Si on arrête le débat, ça suffit, on arrête le débat. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il nous a raconté ce qu'il est? Est-ce qu'il nous a dévoilé comment il nous voit, comment il nous approche? Oui, il nous a dévoilé. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Vous étiez des esclaves en Égypte. On veut tuer vos enfants et personne ne pleurait. Je vous aime.
Akadosh Baruch Hu, c'est ça le peuple élu, ta pente. Prends des Égyptiens, prends des Africains, prends des sages. Lo, Bnei Avraham, les enfants d'Avraham Avinu. On était dans l'exil de Babylone. Vous savez l'exil de Babylone? La majorité du peuple d'Israël était assimilée. Ezra a souffert quand il les a fait rentrer en Eretz Israël. Ils ne savaient pas, les enfants, est-ce qu'ils sont juifs ou pas. Vous imaginez ça? Et ils ont eu le mérite de construire le deuxième temple. Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est seulement les tives, les briotav. Maya Tava, maintenant on va poser la question. Alors, Akadol Borou, dévoile-nous, c'est quoi ta bonté? Maintenant, je vais vous poser une question. C'est quoi la bonté d'Akadol Borou? Pensez un instant. Quand est-ce qu'on ressent heureux? Pas tout le monde est heureux. Quand une chose, elle dit la Rabbanit Esther, quand la discussion intérieure est en paix, quand on arrête de se dire je suis méchant, je suis gentil, je suis méchant, je suis gentil, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, je devais faire, je devais pas faire, est-ce qu'il m'a dit, est-ce qu'il m'a pas dit, est-ce que j'ai entendu, ça suffit, on est fatigué, combien? Hein? Chéquette. Quand est-ce qu'on ressent vraiment la bonté d'Akadosh Baruch Hu? Quand on a une difficulté et que le problème se règle. Quand on ressent un miracle. Vous savez c'est quoi le miracle? Le miracle ou la Yeshua ou la guérison ou l'argent qui arrive ou on a vendu notre maison. Chacun son petit truc personnel. C'est intime. Akadosh Baruch Hu, il t'embrasse dans la bouche. Pas de loin, il t'envoie. Ah, tu veux de l'air? Non, il vient lui-même. Il t'embrasse. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Oui, la nuit. On n'en peut plus. On a mal. On crie. Mais à qui on crie? Ah, on arrête de crier. Qui vient? Hachem Yitbarach. Qu'est-ce que tu as, mon fils? Tu as mal. Ça y est, t'as compris? Oui. Ça y est. On est en paix, nous deux? Oui, à cause de ça. Je veux plus. Il n'y a pas de problème. Tout d'un coup, on s'endort. Comme si qu'on a pris un cachet, qu'on n'a plus mal. Pourquoi on s'est endormi? Il y a 2 minutes avant, tu criais de. Tu avais pleur. Tu pleurais de quoi? De souffrance. Maintenant, tout d'un coup, la paix pose sur la personne qui a des souffrances. Ça, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est global? Oui. Il y a une guerre. La guerre s'est arrêtée. On est tous très contents. D'accord? Mais est-ce que c'est personnel aussi? Toutes les minutes, toutes les secondes. Vous savez, les sages dans le Talmud disent, pourquoi les tzadikim d'avant, Akadosh Baruch Hu, réalisaient leur prière tout de suite? Et pourquoi les tzadikim d'après? Pas toutes les prières se réalisaient. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Les sages du Talmud, pas nous. Ils disaient à Tzadikim, Pam, Shemayu Yoshvim, Mayu Modim Lakadosh Baruch Hu. On s'assit, on remercie. Pourquoi? Qui t'a dit que cette chaise-là tient? Pourquoi elle ne se casse pas? Combien de chaises se cassent? Pourquoi la tienne non? Parce qu'il y a quelqu'un qui la tient. C'est qui? Kadosh Baruch Hu. C'est pas un miracle? C'est un miracle. Pourquoi on boit du liquide et ça rentre dans le ventre et ça rentre pas dans les poumons? Vous savez combien de fois par jour? C'est un tuyau. Il s'ouvre, il se ferme? Non. Alors comment ça? Il y a la présence divine. Elle prend l'eau là, elle prend l'air là. Vous savez quand on a plein d'air dans le ventre, comme ça fait mal, vous savez c'est quoi? C'est de l'air dans le ventre. Ça veut dire que quoi? Qu'on a respiré au lieu dans les poumons, dans le ventre. Et combien on a mal? Et après, on nous donne un petit cachet. C'est fini, ça passe. Comment on est content quand ça passe? Ah, Toda Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le sentiment du bien. Est-ce qu'on est obligé de passer par le mal pour ressentir le bien? Non.
C'est ça la chassidut. C'est ça le Zohar Kadosh. C'est ça Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça le Aria Kadosh Baal Shem Tov. De quoi? Profite le bien sans le mal. On n'a pas besoin de se couper la main pour après ressentir qu'on nous fait le... Ça ne sert à rien tout ça. Vous savez, je m'occupe d'une jeune fille. Que Dieu nous en préserve et qu'il nous donne la refouage chez moi. Elle se couvre. Elle saigne. Elle ne ressent plus. J'ai dit à ses parents, Aouda, encore religieuse, continuez. Elle va mourir. Qu'est-ce que vous allez dire? Ah, Toda la elle, on a tué une religieuse. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Laissez-la tranquille. Non. Tu seras comme ça. Mes voyous, vous savez, après 3 ans et demi d'amour, vous savez comment ils parlent? Il y a des gens, ils sont dans un moshav, ils ont une petite maison comme ça. Il y a des gens du moshav qui passent par leur maison, ils arrêtent la voiture, ils rentrent parce que la maison est ouverte, comme chez le Rav Baruch Hashem. Ils rentrent, ils s'assoient, ils boivent de l'eau. Et mes petits voyous me disent, Rav, pourquoi ils viennent? Je leur ai dit, il y a la shrina chez vous. Comment la shrina? La musique trans, le bababa, les jeunesses, le truc. Comment la shrina? Je lui ai dit, qu'est-ce que vous parlez dans votre bouche toute la journée? Du bien, de l'amour. Alors, ce père, il s'est énervé. Il est parti voir la secte. Il m'a dit, c'est toi la tête de cette secte? J'ai dit, Aouda, tu veux m'enseigner la Torah, toi? Il me dit, oui. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as étudié Zohar? Non. Tu as étudié Ari? Non. Tu as étudié Baal Shem Tov? Non. J'ai dit, alors comment je vais t'expliquer? Est-ce que c'est une partie de la Torah, ça? Toujours, j'ai chez moi Baal Shem Tov. Je donne beaucoup le Baal Shem Tov. Parce que dedans, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup. J'ai dit, regarde, comme tu es un sage et tu es un rave, tu sais lire? Tu oui. J'ai dit, t'es sûr? Oui. J'ai dit, tiens, Baal Shem Tov, prends la maison. Et regarde, ça prend même pas une heure de tout lire, vous savez? C'est petit, c'est pas immense. Mais c'est tellement tendre, tellement d'amour, tellement de miséricorde sur le peuple d'Israël. Pourquoi ça, on n'enseigne pas partout? Quand on est dans la joie, on est lié à Kadosh Baruch Hu. Écoutez-moi ce que je vous dis, Bevakasha. Faites un plaisir à une personne, un petit café. Vous savez, il y a des années, on était dans le cours ici, chez ma tante. Et je vous ai dit aux dames, il y en avait, vous et d'autres. Je leur ai dit, vous voulez des vrais miracles? Ah oui, oui, Rav, on veut. Vous savez, ça vend bien, les miracles. Je leur ai dit, le matin, profitez d'un petit café, d'un petit croissant, faites-vous plaisir. Et pendant le plaisir, demandez. C'est une nouveauté du Rav, ça. C'est écrit. Veitaneg à la chaîne. Veiten lecha. Michalot lipra. C'est pas moi qui l'ai écrit. Les gens, ils s'énervent sur moi. Quoi? C'est moi qui ai écrit la Torah? Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Ne dis pas ces choses-là que tu dis. Interdit. Ferme les livres de la miséricorde. Ouvre les livres de quoi? De la rigueur. Ça y est, 2000 ans, ça y est. Trois fois la Shoah, ça y est. Ah. Combien encore? Mais au nord de l'Afrique, il y avait... Les gens pieux, simples, ils faisaient ni de chapeau et ni de costume, et rien du tout. Mais c'était des tzadikim. Est-ce que le mal de Hitler, Marchimon Vezerzicho, a pu toucher? Non. Un des grands rabbins de Gour a dit, vous savez, allez chez les Nord-Africains là-bas, de l'Afrique, et regardez comment ils font leurs prières. Shket. On n'a pas besoin ni de taper sur la table, ni de crier. Pourquoi? Chacun venait humble. Pourquoi humble? Parce qu'on avait les rapports intimes avec Dieu personnel. Quand une personne ne se sentait pas bien, la maman disait, Ya Rabbi Meir, Ya Rabbi Shimon. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il dit? Il y a maintenant des tzadikim qui vont me sauver. Oui, mon fils.
Shabbat maintenant, je vais vous montrer c'est quoi Shabbat. Vous allez vivre le Gehenom. Non. Shabbat, Oneg, Neshama Yetera. C'est quoi Neshama Yetera? C'est la présence divine sur l'être humain. Pourquoi on n'étudie pas ça? Quand on fait un cours et on dit aux gens, vous savez, vous êtes fautif de rien. Ah mais c'est pas possible ce rave-là, ça va pas la tête. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au lieu d'être 20, on devait être 10 000. À écouter quoi? À écouter le son de la Géoula. C'est pas Rav Schneider. Rav Schneider, c'est une poussière, même pas une poussière. C'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui fait descendre encore une fois une grande lumière sur la terre, qui parle du bien. C'est tout ce qu'on fait. On parle du bien de l'être. On parle de la valeur de l'être humain. Qu'est-ce qu'on fait? De quoi on parle? De l'amour. On montre les écrits. Que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Alors c'est nous les voyous. Vous comprenez? C'est pas des chilonis ou des femmes ou des soldats. C'est des âmes juives. Ce sont des anges. Ils sont en dessous. Bechal Rabbi Akiva, mitachat kisei hakavod. Pourquoi on ne dit pas ça? Et on fait kaddish, et on fait des bonnes choses pour leur âme. Ceux qui sont malheureusement dans les hôpitaux, j'ai été occupé d'une soldate. Vous savez, une personne qui est étant juive, on l'a avec la voiture et poignardée, étant juive, pas étant une grande rabbinite, étant juive. Est-ce que c'est là? Elle n'a pas un mérite devant Kadosh Baruch Hu. Alors pourquoi pas parler de ça? Et pour une fois, se réunir, et je le dis et je le redis, ça fait des années, se réunir dans le stadion. Eux, ils crient « Gol !» et nous, on va crier « Geoula !» Qui va être en haut? Qui va s'asseoir au milieu? Qui est important? Personne important. Chacun dans sa communauté. Vous savez qu'à Jérusalem, il y a 2 ans, il y a eu la prière de 1 million de personnes. On était là-bas. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait, les grands rabbanim, les chassidim, les admorim? Ils ont dit, il n'y a pas d'estrade, il n'y a pas de chaise et il n'y a pas de table. Chacun dans la rue avec ses enfants, avec ses chassidim. Vous savez le Kiddush Hashem? Ils ont préparé des milliers de soldats pour faire quoi? Juste l'ordre, vous savez, 1 million de personnes. Juste qu'il n'y ait pas de désordre, pas pour faire du mal. Silence. Rien. Même pas un qui tombe, il y a Rebon Olamim. Hein? C'est normal, 1 million de personnes. Une personne qui tombe. Rien du tout. Personne s'est évanoui. Personne n'a eu mal à la tête. Personne s'est étranglé, personne n'a été écrasé, rien du tout. C'est quoi ça? C'est pas l'Ashgaha, Shrina. Quand est-ce, vous savez que les sages disent, moi j'ai jamais fait le compte, mais les sages ont dit qu'il n'y a jamais eu le peuple d'Israël, 1 million de gens ensemble, réunis. Après, 1 million de gens ensemble, juifs, ça n'a jamais été pendant 2000 ans. Même pendant les sages du Talmud, il n'y a jamais eu 1 million ensemble. Seulement pendant le temple. Quand le temple était, alors ils venaient tous et on mettait les sacrifices et tout. Mais à part ça, il n'y a jamais eu. Alors les sages ont dit, vous savez, en haut, quel mérite? Qu'est-ce que ça a arrêté comme on ne sait pas quoi? Pourquoi on ne continue pas cette voie-là? Bémet, vous voyez qu'il y a un problème. Alors faites des réunions et faites la prière ensemble. Et quelle sorte de prière? Vous savez les tikkunim que je fais dernièrement? Très simple. Shema Israël, Hashem ou Elohim, Hashem Melech, Hashem Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Otslicha, Ana Hashem Refan Allah. Simple. Chaque personne peut dire ces phrases-là. Pourquoi? Parce que la force de la prière, c'est quand? C'est quand on est tous ensemble. Mais si quelqu'un, on fait un tikkun, il se dit, oh, c'est ennuyant ici, qu'est-ce qu'ils disent? Je comprends même pas, c'est trop compliqué. Et ce qu'il fait avec nous la prière? Il n'est pas avec nous. Alors il faut faire les prières simples. Et quand on fait les prières simples, les gens disent, est-ce que c'est un vrai tikkun? Bezrat Hashem. Non, on n'est pas.
On est simple, on doit juste accepter. Qu'est-ce que tu choisis ? D'être épargné par Dieu ou d'être ras et charme jugé ? Et on se juge soi-même. C'est ça le malheur. On se juge soi-même. Non, laisse Dieu te juger. Comment il va te juger ? Avec amour. D'accord ou pas ? Baruch Adonai Elohim Amen. Amen. הבית שיש מלאכים לא רוצה לצאת מהבית